Coucou YouTube, comment ça va aujourd'hui? Alors moi, ça va super bien. Pourquoi? Super soleil, ciel bleu, quelques nuages, mais c'est pas plus mal. Je suis dans mon quartier, dans le 20e arrondissement, plus précisément rue de l'Ermitage. La rue de l'Ermitage, c'est une rue qui est perpendiculaire à la rue Ménilmontant et à la rue des Pyrénées. On est entre Jourdain et Gambetta. C'est un coin super sympa, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, pour les habitués de la chaîne, vous allez reconnaître l'appartement. Il a été loué pendant le premier confinement ou juste à la sortie du premier confinement. C'était en 2020. Si vous cherchez la vidéo, vous allez pouvoir la retrouver. Je refais une vidéo parce que franchement, donc là, l'appartement, il se libère. La locataire, j'ai rendez-vous avec elle. Elle part à la fin du mois. Ensuite, la propriétaire va revenir habiter dans l'appartement 10-15 jours, puis sera mis en location. Je refais une vidéo parce que franchement, la vidéo que j'ai faite à l'époque, j'en suis pas du tout content. Donc j'espère que je ferai aujourd'hui quelque chose qui me satisfera plus. J'en suis persuadé. En tout cas, voilà pourquoi les habitués, vous allez reconnaître le coin. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est un studio qui est au 6e étage avec ascenseur sur 7. On est exposé sud-est. On n'a pas de vis-à-vis et on a une terrasse. Ouais. Le studio, il fait 30 mètres carrés des brouettes. Il est assez bien fait, il y a vraiment un petit coin nuit, petit coin cuisine, séjour, une super salle de bain. Bon, de toute façon, vous allez voir ça dans quelques instants. Et comme d'habitude, la vidéo sera en ligne sur ma chaîne YouTube avant que les annonces soient en ligne. Les annonces arriveront 5 à 7 jours après la vidéo. Du coup, vous, les abonnés, vous avez la primeur de cet appartement et sincèrement, je pense qu'il partira sans mettre d'annonce en ligne. Ou en tout cas, si je mets l'annonce, ça sera très rapide et je pense que les abonnés, en tout cas, il y en aura au moins un ou deux, que je connais déjà d'ailleurs, qui me contacteront pour cet appartement-là. Du coup, si vous, aujourd'hui, vous voyez cette vidéo après avoir eu le lien via une annonce sur Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, Figaro, même mon site web, Bruce.fr ou autre, c'est peut-être déjà trop tard. Du coup, abonnez-vous, comme ça vous ne raterez plus jamais les nouvelles vidéos, les nouvelles locations, même les ventes d'ailleurs. En tout cas, vous aurez toujours la primeur, la chance d'avoir en avant-première toutes les nouvelles annonces. Ok, maintenant que c'est dit, on va aller voir ça. Ça y est, j'ai marché, j'ai commencé en fait au bout de la rue d'Ermitage. Donc là, juste là, c'est la rue des Pyrénées, là, au bout de la rue. Moi, je suis chez moi, donc je suis passé effectivement par la rue de Ménilmontant. Et l'immeuble qu'on allait voir, c'est celui-ci, le 34-32, rue de l'Ermitage. Et on est donc au 6e étage sur 7. On ne donne pas sur la rue, on donne sur l'arrière. Donc exposé sud-est. Et on a une vue dégagée. Là, juste en face, petit square, bon. Pas grand chose. Hein. En tout cas, ici, rue des Pyrénées, on a le marché qui est juste en face, là. Enfin, le marché, il est là deux fois par semaine. Et on est à un coin qui est donc très calme. On a proximité des transports, des bus, des magasins. Et on est vraiment au calme. Alors là, vous voyez, en fait, en bas, il y a un parking. Vous n'avez pas de place de parking. Par contre, dans cette cour, on peut y garer les vélos. Ok, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Allez, digicode, puis on monte. Voilà, donc entrée d'immeuble, donc là on a les boîtes aux lettres. Et pour ceux qui ont vu la première vidéo, ou qui seraient curieux de le faire, les boîtes aux lettres ont changé. Avant c'était des boîtes aux lettres en bois, toutes petites, on ne pouvait rien y mettre. Là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus agréable. Super, c'était prévu, ils ont mis le temps à le faire, ça a été fait. Là, on a l'ascenseur, là on a l'accès, partie commune, cour, poubelle, etc. Alors, j'ai pas la clé, donc je vais juste ouvrir la porte pour montrer, mais je vais pas sortir sinon je vais me faire avoir. Et on a les poubelles ici. Donc, la cour, et là, derrière, il y a un vélo qui est garé, mais les vélos, on peut les mettre là. Et le parking est sur la gauche, en sous-sol. Ok. Du coup, ça aussi, c'est nouveau. Échange de bouquins entre voisins. Super sympa. Ça démontre que la copropriété évolue dans le bon sens. C'est super sympa. Ouais. Du coup, on va monter à pied.
surtout au sixième. Petit coup d'ascenseur et on va aller voir ça. Allez, il arrive. On a la chance, il marche. Vous voyez, donc 6 sur 7. Hop. Voilà, on est arrivé. Alors, ce qui est cool, c'est que l'appartement il est à l'opposé de l'ascenseur. Donc du coup, même le bruit de l'ascenseur, on ne les a pas. Puisque c'est la porte qui est toute là-bas. Voilà, donc c'est là-bas, on va y aller. Et voilà cet appartement. Alors, à l'entrée, petit miroir qui va bien pour voir si on est bien apprêté, si la casquette est bien mise, si la barbe est bien taillée. Ça passe. Là, petit meuble à chaussures, très pratique. Alors évidemment, les affaires que vous voyez là, c'est des affaires d'un locataire, ça va partir. Alors, spécificité, le frigo, il est ici à l'entrée. Vous voyez, on va avoir des heures. Et dans la cuisine, il y a rien à place pour le mettre, mais ils ont trouvé ça plus pratique de le laisser ici. Voilà, donc le frigo est ici. Là, on a la salle de bain. Évidemment, les affaires vont partir. On a une machine à laver le linge. Et ouais, je sais que c'est pas toujours le cas dans les studios. Là, on l'a. Meuble basque, un bon miroir. On a la toilette qui est ici. On a une belle douche. La douche est vraiment très grande. Vous voyez, il y a vraiment un grand espace. On a même ici un petit coin pour poser des affaires, même pour s'asseoir, etc. Donc la douche est vraiment très très grande et spacieuse. C'est hyper agréable. Tout le mobilier que vous voyez ici, ça va rester. Donc là, ce sont les affaires. La table à repasser, l'étendoir à linge, etc. Là, on a du mobilier ici. Alors je ne sais pas pourquoi il y a les affaires de la locataire intérieure. Mobilier là. C'est un vrai meublé. Hein. Donc il y a tout. Tout ce qui est obligatoire, c'est là. On a ici grand placard. Alors là-haut, de la pose libre, vous voyez, donc c'est assez profond, c'est très pratique, vous voyez. Et là, on a penderie, mettre les chaussures, à côté, panier à linge, vous voyez. On va tout ouvrir parce que les affaires de la locataire dedans. Donc, hein. Et ici, de quoi poser, donc chaussures, etc. Enfin, c'est très pratique. Là, on a aussi un meuble. On peut s'asseoir dessus pour mettre les chaussures, puis on peut y ranger des affaires. Là, de quoi suspendre pas mal de choses à l'entrée. Vous voyez, on a une belle entrée. C'est quand même super sympa. Voilà le séjour. Alors, tout ce que vous allez voir ici va rester, excepté la chaise de bureau qui est là-bas, deux petites lampes. D'ailleurs, il y a une lampe qui est là-bas. Et tout le reste va rester. Donc, on rentre. On a ici quatre tabourets. On a ici un lit avec des tiroirs en dessous. Donc, c'est un lit double. Voilà. Petite étagère IKEA que tout le monde connaît. Un petit canapé avec un petit pouf, une petite table basse. Donc là, la locataire, elle utilise la desserte aujourd'hui en tant que bureau de télétravail. Et ça, à la base, c'est du plan de travail. Ce que vous pouvez voir, c'est du plan de travail, même que celui-ci. Et ça, c'est posé à ce niveau-là, devant moi. Donc, en fait, c'est devant la cuisine. C'est le plan de travail pour la cuisine. Bon, en tout cas, aujourd'hui, vous voyez, on peut en faire un bureau de télétravail. Au niveau de la cuisine, four, plaque, la hotte. Il y a tout pour cuisiner, tout pour consommer, les casseroles, les assiettes, les verres, les mugs. Il y a vraiment tout, hein, tout ce que vous voulez, il y a tout ce qu'il faut. C'est assez complet. Pas mal de choses. Vous verrez mieux effectivement dans l'ancienne vidéo, puisque l'ancienne vidéo, c'était l'appartement juste avant la mise en location. Là, il est encore habité, donc il y a des affaires aussi de la locataire, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut pour cuisiner, pour consommer. On est tranquille. Et puis bah là, on a l'espace terrasse, on va y aller. Voilà la vue qu'on a. Donc on a une vue qui n'est pas vraiment une vue dégagée, puisqu'on a une qui est devant, mais c'est une vue qui est sans vis-à-vis, vous voyez, il n'y a pas de fenêtre. Alors, un petit vis-à-vis sur le côté, franchement, rien de gênant. On est exposé sud-ouest, là le soleil est parti, dommage. Mais sinon on a un super soleil, on l'avait encore il y a 2 minutes. Vous voyez la vue qu'on a, voilà. Franchement. Et donc là, au niveau de la terrasse, alors, par rapport à l'ancienne vidéo, il y a plus toutes les plantes, elles sont mortes entre temps, les pauvres. On a une table, des chaises. Si vous avez la main verte, vous allez pouvoir vous régaler. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire pousser des plantes. Et quand il y a des grosses chaleurs et gros soleil, on a ici le petit store qui va bien. Alors évidemment, là, il est tenu par les lières qui tombent de là-haut, mais voilà, il est bien là, il fonctionne. Je la referme. Mais voilà.
Alors? Vous en pensez quoi? Sympa, hein? Du coup, bah, vous connaissez la rengaine. Je vous laisse suivre mes indications, suivre mes consignes, pour m'envoyer votre dossier, que je puisse le prévalider. Et on se verra sur place pour faire une visite. Comme d'habitude, je fais 3-5 visites maximum de gens qui ont vu cette vidéo. Si ça vous plaît en vidéo, dans 90% des cas, ça plaît aussi en vrai. Les vidéos sont 100% authentiques. Ce que vous voyez en vidéo, c'est vrai, c'est la vérité. L'appartement est vraiment comme ça, il n'est pas autrement. Et la vidéo a même tendance à écraser les pièces. Donc généralement, quand on est sur place, on a l'impression que c'est plus grand que ce qu'on pensait. Donc ça va dans le bon sens. Du coup, vous m'envoyez ça, je vérifie le dossier. Si vous êtes dans les premiers, on se voit, ça vous plaît toujours, on signe un bail. Ok? Pour tous les autres qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos. Je vous rappelle, je diffuse toujours en avant-première sur la chaîne YouTube toutes les nouveautés. Du coup, il n'est pas rare que je loue directement un abonné de la chaîne sans mettre d'annonce sur Internet. Donc, si vous l'avez vu sur une annonce, c'est peut-être déjà trop tard. Ça y est, soleil est revenu. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis un peu ébloui. Ouais, il est revenu. Sud-ouest ? Sud-est. Allez, je vais pas refaire mon bronzage maintenant. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sky, I need you to listen, I need you to hear, and don't show.